Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve encore une fois pour du Infamous Second Son. On arrive au but là. Il fallait que je me rende sur un toit pour repérer la zone. Je suis là et pas vous. On est en route. Fallait gérer votre. Qu'est-ce que le DUP vient foutre ici avec Hank? Je sais pas du tout, mais ça pique. Donc de toute façon, je pense que si vous en êtes ici, c'est que vous avez déjà regardé la suite, quoi. Vous avez regardé les vidéos précédentes. On a explosé un truc. On dirait que c'est une putain de guerre. Donc, pas besoin de vous expliquer que là, c'est le Dawa. Wow, ça va être bien. Hank qui a fait ça? Hank! T'es là? J'ai pas peur de toi, Hank, tu sais! C'est ça. Je parie que c'est pas le porteur que vous attendiez. Link, je vais devoir relocaliser le signal. Ils ont voulu me casser la tête direct en 2-2, je les ai défoncé. Pourquoi une saloperie? Comme toi pourrais quitter cette ville vivant. On a fait un marché. Bon, je sais qu'il est dans les parages. Il passe pas mal de son temps libre sur les toits. Pourtant pas être loin. Je crois bien que je vais retenter un coup de tracker. Ah tiens, on dirait que j'ai pas besoin de... Il se dirige vers la marina. Il va pas tarder à être coincé. On dirait que je vais pas tarder à revoir ce vieux Hank. Espèce d'enfoiré. Elle a tué Reggie. Je savais pas, je te jure. Tu savais pas? Tu nous as trahis. Elle a dit qu'elle vous ferait pas de mal. Qu'elle voulait juste te parler. Et t'as gobé ses conneries? C'est une sadique de première, ok. Mais à ce que je sais, elle a jamais tué de porteur. Mon frère serait encore en vie si t'avais pas fait ça. Tenez ma fille. Papa! Où est-ce qu'il y a?
Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Et disparaître? Fais gaffe à toi, Hank. J'arrive, ma chérie! On rentre à la maison. Il est grand temps d'en finir, Augustine. L'heure, citoyens de Seattle, l'heure est venue de reprendre notre ville des mains de ceux qui veulent la détruire. Les pions terroristes n'ont pas leur place dans nos rues. Nous devons absolument les enfermer loin de citoyens honnêtes et normaux pour notre bien à tous. Est-ce de ma gueule? C'est moi qui lutte pour leur bien à tous, contre elle et son armée de monstres! Je vais où là? Il faut que j'aille à la tour. Peuple de Seattle, on vient de me signaler que ce bioterroriste, Delsin Rowe, a commis une nouvelle atrocité. Il est à l'origine d'autres carnages qui ont déjà coûté la vie à des centaines de nos fidèles guerriers du DUP et de nos concitoyens de Seattle. J'appelle pas ça un carnage, vu que je sauve des innocents, et qu'en plus, j'épargne des petits assassins. Braves gens de Seattle, je vous en conjure. Nous devons empêcher Delsin Rowe de poursuivre son carnage sanguinaire. Delsin Rowe a déjà tué des centaines d'entre nous. Peut-être un voisin, peut-être même un parent. Delsin Rowe a assassiné mes hommes les plus courageux par centaines. Des soldats du DUP qui ont donné leur vie pour sauver les vôtres. Faites en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Delsin Rowe sera traîné devant la justice. J'en fais le serment. T'as rien compris, Augustine. Ces gens nous ont vus tous les deux en action. S'ils veulent la justice, c'est pas ma tête qui va... Tu vas devenir bon pour avoir Augustine. Bon, le transformateur doit se trouver sur le toit en face de la tour. Ouais, je m'en gonfle lui, oh.
Faudrait que je pète le truc en haut là. Désolé pour ça, le DUP. Bot, mais les fragments, ils sont même plus affichés à l'écran, quoi. Ouais, bien évidemment, vous avez compris, hein, je vais essayer de terminer le jeu avant d'affronter, faire l'affrontement final, quoi, de finir le jeu. Vous avez compris. Finir ces putains de quêtes annexes de ouf! Je comprends pas, il n'y a plus de fragments, il n'y a plus rien ou... D'accord, la zone n'est pas tout à fait détruite. Capteur, il est juste là. Ça déjà, comme ça je peux péter les deux caméras. Mais grave du temps à se remettre quoi. Allez vas-y. Alors où est le deuxième? Évidemment, j'ai pris le seul qu'on pouvait pas taper. Je viens là, comme c'est personne qui me voit. Je vais tous les faire comme ça, lol. Et voilà, c'est bon. Il en reste toujours un, mais je sais pas où il est. Ça va être qu'il part dans tous les sens à chaque fois là. Et ils sont vraiment relous, hein. Oh. Et le mec, je lui ai mis la sauce, la dose, quoi. La sauce. Ok,
une catapulte. Une fois, j'avais même pas vu ce que c'était, mec. Il y a des trucs, des fois, je vois même pas quoi. J'ai des fragments, un truc de ouf. La vérité, je comprends pas à quoi ça sert. Hein. Alors, est-ce que t'as repas un truc à faire ou pas? D'accord, là il y a juste un truc là. Il y a un camp, d'accord. Mais je comprends pas. Franchement, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais je comprends pas. Le truc, je l'ai dégommé quoi. Oh, quoi, la voiture elle a fait DB. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Là, ils disent qu'il y a 3 caméras de surveillance alors qu'il n'y en a pas, un agent secret alors qu'il n'y en a pas, un journal audio et 3 graffitiers. C'est un truc de ouf quand même. Ma foi, je comprends rien à rien là. Là, c'est le fou total pour moi là. Là, je suis un petit peu paumé là. Le truc d'essayer de le faire à 100% quoi et non ben non. Parce que tu ne sais pas pourquoi, genre peut-être il y a des trucs qui bug, hein, je sais pas, mais ça rendrait vraiment fou qu'à cause d'un bug. Surtout que je me casse la tête à tout faire de A à Z quoi. Vous voyez ce que je veux dire, encore si genre je ferais le truc à la moitié et tout. Voilà, tu t'es dit ouais je m'en bats la race mais là je me casse vraiment la tête à tout faire. Hein? Attendez, il vient d'apparaître ce poste là? Il vient d'apparaître la caméra? Attendez, on est d'accord, de toute façon vous regardez la vidéo, on est d'accord, n'hésitez pas ces 3 caméras. Attendez, je suis pas un ouf, je pète pas les plombs quoi. Sur ma tête, n'hésitez pas, ces 3 caméras. De où ils ont surgi d'où? Du Saint-Esprit? C'est un peu trop lesque là, non? Ce qu'ils sont en train de nous faire là? Bon écoutez, je vais pas me plaindre, tant mieux. Je
Lol, quartier nettoyé maintenant. Donc 2, 4, il me dit qu'il m'en reste 6. Bon, quoi qu'il arrive, là c'est bon, j'ai réussi à nettoyer la zone. Donc je suis content. Il me reste plus que cette zone à nettoyer. On dirait que les trucs ils ont apparu au fur et à mesure quoi. Oups. Attendez parce que là. D'accord, j'ai pas envie d'aller là. Wow! Et les gars, je suis dans un bug. What the f... Oh, ils sont pas sérieux. Je suis dans un bug. Intersidéral de la mort qui tue. Mais c'est quoi ce délire? Je suis passé sous le jeu. Et je fais comment maintenant? Oh non! Attendez, je vais sauvegarder la partie. Aïe yo! Chargement la partie mec. Et c'est quoi ce délire? Oh, vous avez vu ça? Genre trop chelou. Genre je sais pas comment on appelle ça, du out of band. Je sais plus comment on appelle ça, genre je suis passé sous le level en fait. Mais bon, c'est pas pour exploiter des glitches ou quoi que ce soit, c'est parce que là c'était un bug de ouf mec. Oh, j'espère qu'il va pas me ramener sous le level encore. Genre non, vous avez sauvegardé sous le level, donc vous êtes sous le level. Bon, le transformateur doit se trouver sur le toit en face de la tour. Alors il s'est passé quoi là? Bon, ça va. J'ai juste perdu ça. C'est un truc de merde là que j'ai bugué là. Mort de rire. Oh putain, il va être où encore ce truc? Encore tout en haut, je peux pas aller, c'est ça? Oh là là, ils sont sérieux. Putain. Juste pour un truc quoi. C'est vraiment des gros chacals, putain. Et je peux pas monter, vous le savez, hein. C'est tout électrifié, je peux pas aller en fait. Faut que j'aille à la tour. Truc ça normal, il s'en fout, il passe à côté de moi. Ouais, c'est bon. Civil a battu 200. Osef, mec. Merde. J'aimerais bien finir là. Ce truc de porteur. Fait quoi, il lui fait des allers-retours? Ouais, j'aimerais bien finir là le truc, comme ça après je finis l'histoire. Tranquillou Milou. Ok, donc y a là, là. Derrière moi. Où est encore l'autre? Bon pour avoir Gustin.
et là. Et après j'aurai à peu près tout clean jusqu'à ce qu'il me reste, ben merde, les 2-3 missions que je dois faire, puisque je peux pas monter vu qu'il y a tout qui est électrifié. Ah mais attendez, je peux monter en fait, je suis bête. Mais il faut que... Ok. Normalement je pense que je peux monter en fait. Comment? Tout simplement en prenant le truc de feu. Je pense qu'en prenant le truc de feu je peux monter. Après je suis pas sûr de ça. J'ai vu qu'il y avait des aérations dans le coin là. Alors peut-être que... on va tester. Hein. Pas du tout, ok c'est cool. Ça m'étonnerait que le truc soit tout en bas. Non pas du tout. Oh! Les générateurs de mer, on peut pas les péter là. Ma foi. Ok. Bon, mais c'est pas grave. Pas le choix, faut y aller. Bon, vas-y, j'aimerais bien récupérer un pouvoir ou deux là de. T'sais, maintenant le mec il est fan complet de. Je peux plus me passer du truc là, de télé là. Merde. Allez c'est bon on y va. Ouais j'aurais passé quand même un bon moment sur les vidéos annexes, les petits moments annexes, mais bon, il fallait le faire. Allez on va lui péter la gueule. Enfin, du moins on va essayer. Si on commence comme ça, ça commence très très mal. Tiens, Delcy. Une fois la défense éliminée, tu peux plus revenir en arrière. Alors, c'est quoi ton plan, porteur? Tu vas la prendre vivante pour montrer à tout le monde ce qu'elle a fait? Ou tu vas la tuer pour ce qu'elle a fait à Reggie? Ma petite dame, il est temps de montrer au monde ce que tu vaux vraiment. Ok, je peux faire avec. Même si tout le reste est encore actif. Ok, alors tout ce que j'ai fait ça servait à rien en fait depuis tout à l'heure parce qu'en fait c'est là où il fallait aller. Mort de rire. Vous êtes vraiment partout les mecs! Coucou. C'est vrai, il aime pas trop qu'on se rapproche de lui. Je pense que ça va jamais s'arrêter en fait, donc il faut que je prenne le pouvoir et que je le taille.
Ah, c'est gênant. Content de me voir? Je m'en sortais très bien. Je sais, mais tu t'en sortais pas. Alors, t'as des envies d'escalade? Tu déconnes. Les deux personnes que je préfère au monde dans la baston du siècle. Pas question de rater ça. Tiens, des joujoux pour faire de la fumée. D'accord. Putain, je comprends pas trop là. C'est quoi les bails là? Je veux. Allez, envoyez-moi du lourd. Ok, c'est du lourd. Ça va être utile, ça. What the fuck? Fetch, tu me sauves la vie. Hey Fetch, ce serait le moment de me filer un coup de main. Demande et tu recevras immédiatement. Chêne, tu vois, t'es vraiment un as pour remonter le score. C'est vachement pratique d'avoir des amis au placé. Vas-y, mollo avec les discours, Eugène. Yo, Dacine, viens là. Faut que tu vois ça. Ah, c'est ce que j'ai vu de plus malin aujourd'hui.
falloir utiliser mes nouveaux outils. J'ai l'impression que tout le toit est blindé. Laisse-moi essayer les rayons dessus. T'es sûr que tu peux percer ça? Ouais. C'est toi le gros geek arrivé à occuper le DUP assez longtemps. Détraque! Je te protégerai du danger! T'avances bien, Fetch! Ne me presse pas, Dessie. J'aime pas quand tu presses. J'y suis presque. Ça y est. Vas-y, Delsine. Tu rentres là-dedans et t'attrapes Augustine. Eugène et moi, on s'occupe de couvrir tes arrières. Va et pénètre dans le domaine d'Augustine! La donzelle et moi allons te couvrir! Tu es là. Je t'ai bien observé, Delsine Ro. Je t'ai testé quand tu assemblais ta panoplie de trucs. Très impressionnant. Ah ouais? Moi aussi, je sais ce que vous avez fait. Vous vous êtes servi de Hank pour l'accident. Vous avez fait passer Eugène et Fetch pour des monstres, tout ça pour avoir le beau rôle. Il faut bien protéger les porteurs. Les protéger? Depuis 7 ans que mon DUP a repris la surveillance des porteurs à l'armée, il n'y a pas un seul des nôtres qui ait été tué. Non, bien sûr que non. Vous les avez juste traqués et enfermés. Oui, à cœur Dunkey. Protéger des foules qui veulent tuer tous les porteurs. C'est bien mieux pour eux, même s'ils ne le savent pas. Alors vous avez pris cette décision pour eux, hein? Ces décisions sont trop importantes. J'ai bien vu comment les gens te regardent dans la rue. Est-ce que tu sais combien il est rare qu'un sans-pouvoir veuille embrasser un porteur? Tu dois utiliser cette popularité, cette confiance, pour les convaincre que la seule et unique solution à la menace bioterroriste est mon DUP. Savais-tu que plus de la moitié des porteurs qui sont morts dans des bains de sang il y a 7 ans ont été tués par les militaires? S'ils reprennent le contrôle, qu'est-ce qui te fait croire qu'on ne reviendra pas vite à ce bon vieux temps? Non. Non, je vais faire éclater la vérité sur vous et vos mensonges. Et on verra qui est le vrai protecteur ici. Ce serait condamner à mort tous les porteurs. Je ne te laisserai pas faire ça. Alors essayez donc de m'en empêcher. Thank you.
veux mon pouvoir? Si tu insistes... Il y a 7 ans, mon unité devait sauver la population d'une nouvelle menace. Les porteurs. Des gens dotés de pouvoir, qui nous dépassaient tous. Ils étaient capables de tuer. Et de transformer certains d'entre nous en porteurs, comme eux. J'ai trouvé une autre survivante. Elle m'a suivi alors que j'essayais de regagner la protection de mon bataillon. Ensemble, nous avons sillonné une ville en proie au chaos qui voulait notre mort à cause de notre différence. Chaque jour, les lyncheurs se faisaient plus nombreux, horrifiés à l'idée que des porteurs puissent se cacher parmi eux. Nous n'avions blessé personne. Mais pour eux, nous étions des monstres. Quand les militaires ont repris le contrôle de la ville, c'est nous qu'ils ont pris pour cible. J'étais une porteuse. J'étais un soldat. Mais je ne pouvais pas être les deux. Alors, j'ai fait un autre choix. C'était la seule solution. En capturant le premier porteur vivant, j'ai gagné la confiance du gouvernement. Et ça, ce n'était qu'un début. Ils ont financé la création du DUP en pensant que nous n'étions que des monstres qui traquaient d'autres monstres. Mais ils avaient tort. Mon but était de sauver autant de porteurs que je pourrais. Si mes semblables devaient vivre, ce serait entre les murs de Cœur d'Alkai. Ça fait 7 ans que je les protège. Moi, je ne laisserai personne tout gâcher. Ni le gouvernement... Ni l'armée... Ni toi. Tout ce que vous avez fait en 7 ans... C'est les garder enfermés. Vous leur avez pris leur liberté. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu ouvrirais les portes de Cœur d'Unkay, c'est ça? Tu les laisserais sortir? Bien sûr que c'est ce que je ferais. Le monde n'a pas changé ces 7 dernières années. Entre ces murs, les porteurs sont à l'abri. Ils sont en vie. Libère-les, ils seront tous morts en 1 semaine. Alors dis-moi, qui est le sauveur? Et qui est le monstre? C'est ce que tu voulais! Tu as gagné! Nous avons tous les deux les mêmes pouvoirs! La seule différence, c'est que j'ai eu 7 ans pour m'entraîner! Eugène! J'ai besoin d'aide là! Je peux rien faire du tout! Il me faut un noyau d'énergie! Ok, merci. Je vais voir ce que je peux trouver. Accroche-toi! Thank you.
paraît que ça fait mal. Une fois la poussière retombée, tout ce qui restait d'Augustine, c'était ses yeux qui émergeaient d'un bloc de béton. Ce n'était plus du tout de la fureur qu'on pouvait y lire à présent, mais plutôt de la peur. On avait réussi à réduire sa forteresse en cendres, mettre son armée en déroute, stopper net tous ses plans. Le monde entier allait bientôt découvrir qu'Augustine avait lamentablement échoué. Anéanti par un gamer, une sale junkie et un pauvre délinquant. La foule s'était embrasée quand Augustine avait été emportée. Et avant tout ça, personne n'aurait jamais imaginé un avenir rassemblant humains et porteurs. Et j'étais celui par qui le changement allait arriver. Et pour tous ces porteurs qui avaient passé des années enfermés à Curdon Quay, ils allaient bientôt retrouver leur liberté. Ils pourraient vivre leur propre vie et choisir leur propre avenir. Quant à moi, j'avais bien eu ce que je cherchais. Maintenant, il me restait à tenir ma promesse. Betty. Delphine. Tu es là? C'est parti? Ouais. Tout est parti. Une promesse est une promesse, hein? Ah. Et tous les autres? J'arrive à peine. Je voulais d'abord te voir. Tu m'as sauvé, Delphine Rowe. On est des acomiches. On doit s'entraider, pas vrai? Où est Reggie? Reggie... Reggie m'a sauvé. Je t'aime, Frangin. Tu vas sacrément me manquer. Ok, ok. Donc c'est la fin de The Infamous Second Son. Ouais, je m'attendais à une fin comme ça, je m'attendais pas à un truc de ouf. Encore une fois, je m'attendais ni à un truc moins bien, ni à un truc plus que ça. Franchement, très bon jeu. Les points positifs, franchement, le gameplay est juste mais jouissif, quoi. Les déplacements, la façon dont vous gérez les pouvoirs et tout, franchement il y a tout qui est vraiment tout kiffant. L'histoire j'aime bien aussi, des fois une petite petit pincement là pour Reggie et tout. C'est vrai que on s'attache vite au perso et ça fait plaisir vraiment sur un jeu de s'attacher à des persos. D'habitude c'est dans les films que ça arrive, là c'est vrai que quand ils arrivent à faire ça dans un jeu, c'est que vous êtes pris dedans, quoi. Perso franchement j'ai beaucoup aimé. Là on voit l'ultime et tout, c'est juste énorme. Quoi dire de plus, je crois que j'ai un peu tout dit. Franchement voilà, moi pour moi ça reste vraiment une belle aventure. Après voilà, les points négatifs c'est des fois un petit peu le perso qui s'accroche à des rebords alors que tu souhaites pas, ou qu'il arrive pas à sauter, des petits bugs. Encore c'est minime, hein, c'est des petits trucs, mais ça peut être gênant à la longue. La répétition sur les missions, les missions secondaires, les missions annexes, les petites répétitions qui commencent un petit peu à la fin à devenir juste saoulantes et
vite les faire pour finir le jeu à 100%. D'ailleurs, ce que je vais m'empresser de faire après le générique, et vraiment voilà la durée du jeu. La durée du jeu, c'est vraiment le point négatif. Après, on peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir un excellent jeu. Graphiquement aussi, il est magnifique. Les effets de lumière, les particules et tout, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Après, voilà, tout ça, ça reste que mon avis personnel. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aventure. Encore une fois, mis à part la modélisation d'Augustine, que j'ai pas trop kiffé. Ou sinon, tous les autres persos, j'ai trouvé qu'ils étaient super bien faits. Voilà, l'histoire en elle-même, franchement, voilà, propre. Un bon jeu que je conseille à tout le monde. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai essayé de partager avec vous cette histoire, cette aventure sur Infamous. Moi, j'espère que vous aurez apprécié. On va voir de suite si on peut pas passer. Poursuivre. On peut pas passer. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai un montage, je couperai les crédits. Et je vois s'il y a du New Game Plus. Normalement, je pense que oui, hein, si on peut continuer à finir le jeu à 100%. Donc on va voir ça. De toute façon, je vois qu'il y a déjà marqué les musiques, donc les crédits sont bientôt terminés, a priori. Bien évidemment, vous n'aurez pas les sons, parce que sinon, je vais me taper 500 droits d'auteur sur la vidéo. Donc je couperai le son, à mon avis, de la musique. Qui n'est pas super bien, en passant. Mais je pense que dans les trailers ou des trucs comme ça, vous l'aurez déjà entendu. Un petit peu rock. Mais très 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 bon jeu dans l'ensemble, franchement. Après, je suis pas là à mettre des notes, pas des notes et tout. Franchement, je trouve que c'est un très très bon jeu. Après, voilà, vraiment le point négatif, ça serait la durée. Je l'ai fini en deux soirs. Donc, c'est pour vous dire un petit peu le délire en faisant à peu près 6-7 vidéos en deux soirs. Donc, après, bien sûr, voilà, j'ai. J'ai un petit peu un dingue, je sais qu'il y a des mecs qui recordent une ou deux vidéos, ils sont là déjà, un truc de ouf. Moi ça m'arrive de recorder des fois 10-15 vidéos, je me rappelle le let's play de Tomb Raider, je l'ai fait d'entrée en fait. J'ai tout record d'un coup. Donc j'ai fait je sais pas combien de vidéos d'affilée, je crois qu'il y en avait une quinzaine ou un truc comme ça. Après dès qu'on est pris dans quelque chose, voilà, moi je suis comme ça, je suis devenu comme ça, à cause ou grâce à cette chaîne de let's play. Cette chaîne que j'ai faite de la Noctue. Après bien sûr voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai un engouement envers un jeu en fait quand j'ai besoin, pas besoin, mais quand je découvre un jeu que j'ai envie de jouer et tout ça, comme le trois quarts des gens, on y bloque souvent 2-3 heures dessus et après le trois quarts du temps il y a tellement de jeux qui sortent aujourd'hui de nos jours. Je parle dans la globalité, dans l'ensemble, hein. Je parle pas genre en mois de mars, de février, de cette année ou quoi que ce soit. Je parle vraiment que dans l'ensemble, il y a vraiment beaucoup de jeux avant. Par année, il y avait 3-4 jeux. Bon, après, je dis grosso modo, hein, c'est pas non plus... Mais voilà, vous contentez d'un ou deux jeux pour l'année et vous les soudez à mort. Là, maintenant, c'est un par mois, voire maintenant, vu qu'en mars, là, il y a une sortie je sais pas combien. Votre victoire sur Augustine et le DUP a fait vous améliorer. D'accord, donc je pense qu'il y a du New Game Plus. D'accord, et comment je me rends là-bas? Ah ok, ça y est. Donc les autres missions sont apparues. Par contre ici... ah d'accord, le journal audio était Keblo là-bas. Donc je peux me téléporter directement, s'il vous plaît. Donc il faut que j'aille un TP, qui est juste droit devant. On va essayer de le faire. Ah, d'accord, et ça c'est... Voyage rapide, please. Donc on va essayer de faire ça dans la foulée, hein, tant qu'à faire. Il est où? Voilà, c'est au sérieux, man. Ah d'accord, ok, tu peux pas... En tant qu'à faire, en bonus, on va finir le jeu à 100%. Hein. Écoutez, moi je vous ai dit mes impressions après sur le jeu, après à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas. En tout cas, moi je trouve que c'est un très très bon jeu.
Bon, bien évidemment. C'est cool, hein, ton truc là de la roche là. Laisse-moi mon truc. Donc voilà à quoi va servir. Ou pas. Ah si 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 si. Il y a quand même un arbre de compétences. Parce que j'allais dire what. Là je prends tout mais voilà, ben, j'ai amélioré le truc à fond. Donc encore une fois, voilà, j'ai amélioré tout l'arbre de compétences. Ça, j'ai tous les pouvoirs. À bloc, même si pour le coup, là, je vais... je vais utiliser ce que je connais, on va dire. Parce que c'est vrai, ça aussi, c'est, on va dire... un inconvénient ou un avantage. Un inconvénient, dans le sens où en fait vous profitez pas des pouvoirs en fait, vous devez tout le temps basculer. C'est bien hein, dans un sens c'est bien parce que vous changez tout le temps, mais dans un autre sens je trouve que c'était pas trop bien. J'aurais bien aimé genre avoir des phases où comment dire, où je puisse garder vraiment le pouvoir, où je peux jouer 2-3 heures avec, 2-3 heures, vous voyez ce que je veux dire. Là ça arrivait, la première phase j'ai eu celui du feu, ensuite j'ai eu celui du néon. Et là, je me retrouve avec celui de celui des anges, on va dire entre guillemets. Mais voilà, le dernier pouvoir de la roche, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je vais pas en profiter, du moins si vu que j'ai tout fini maintenant, j'ai tout clean les zones. Donc vous voulez que je fasse quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez que je fasse quoi avec? Donc c'est ce que je disais, hein, c'est le problème de ce style de jeu. C'est à chaque fois, voilà, le fait est que vous avez besoin de faire des deux pour avancer dans l'histoire. Et que si vous faites comme ils le veulent eux, et ben vous arrivez à la fin du jeu sans d'objectif secondaire en fait. Je m'énerve un petit peu là, Delsina. Ah, peut-être ici. Si on le jetait dans un trou et qu'on le torturait pendant 7 ans. Ce pauvre gamin Eugène. Il était déjà perturbé quand ils l'ont amené, mais après ce qu'Augustine lui a fait, c'est un miracle qu'il puisse encore tenir une discussion. Je me demande souvent ce qu'elle avait en tête. Pourquoi elle lui a fait subir toutes ces horreurs. La conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est qu'elle l'entraînait pour une mission. Quel genre de mission? On ne le saura jamais. L'armée s'est pointée et il a fait partie du premier convoi de détenus. Quelle qu'a été sa mission, ça ne présageait rien de bon. Ok, donc le dernier tag du jeu. Donc dernier kiff. Puis pour revenir, comme je disais, il y a tellement de jeux que je peux plus, moi, avec ma chaîne de Let's Play, m'éterniser sur des jeux. Je suis obligé tout le temps de basculer à droite à gauche pour essayer de découvrir de nouveaux jeux, faire des vidéos de découverte. Après, je suis pas obligé de le faire, hein. C'est moi entre guillemets qui m'oblige dans un sens parce que j'aime beaucoup en fait tester tout et rien en fait. Tester des jeux totalement improbables, que ça soit en 2D, en 3D, avec des graphismes de ouf, que ça soit du zombie, que ça soit des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit tout et n'importe quoi. Et comme ça, je peux vous le proposer sur la chaîne et moi en même temps, ça me fait. Ça me fait découvrir plus de jeux, on va dire, entre guillemets. Après, c'est bien de les finir aussi, tous à 100%, bien sûr. Après, il y a des jeux que vous découvrez, que vous trouvez pas si bien que ça, du coup, vous les laissez à gauche. Et il y en a d'autres que vous trouvez énormes. Et que vous essayez de souder, même des fois avec des années de retard. Je reviens souvent sur Alan Wake, mais Alan Wake, c'est un jeu que j'ai joué l'année dernière, je crois. Pendant 2-3 ans, les collègues me disaient vas-y, joue-le, fais-le. Et à chaque fois, je voulais pas le faire, et du coup, je l'ai fait. J'étais vraiment surpris, même genre 3 ans ou quoi. Ouais, je crois que j'ai joué à 2 ans. Même 2 ans après, il était sorti en 2010, je crois. J'ai été bluffé, quoi. Niveau graphique, comme histoire,
Je crois que ça reste l'un des meilleurs en termes de scénario pour moi, bien sûr. Après, je sais que Alan Wake d'ailleurs, un 2, j'aurais juste refait quoi s'il y avait. Ici l'assistance téléphonique du DUP, avez-vous un incident bioterroriste à signaler? Donc, votre panneau, hein? Arrêtez de nous appeler! Le DUP ne tolère pas ces gamineries! Ouf, j'en ai peut-être trop fait! T'sais, j'en ai presque la larme à l'œil quoi, dernier panneau. Putain. Du coup j'ai plus l'alarme là. Ils sont où les autres? En fait j'aimerais bien... Il est où l'autre? Ah c'est que des Golgoths en fait. Ah c'est que des Golgoths. Non. Je savais que c'était pas que des Golgoths. Par contre j'aimerais bien qu'ils viennent tous les 4, tous les 3. Comme ça je les termine là, là. Ouais j'avoue. Oh il va me tuer. Oh il m'a tué. Lol. Quel dinde. Oh mais je suis vraiment une dinde. Oh en plus j'ai perdu tout le truc. Oh putain fais chier. Voilà j'ai voulu faire le truc pour faire le beau pour vous. Pff, alors que j'aurais pu les tuer 10 fois quoi. Je voulais faire une dernière attaque une dernière fois vu que c'était le dernier panneau. Je suis complètement fail quoi. Sérieux Moré, putain, devant lui quoi. On va toujours vouloir bien faire, on fait toujours mal les choses. Ouais, ça serait pas arrivé ça, hein. Là c'est l'ange qui me gêne là. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est bon, fuck you. Les mecs se bloquent dans des endroits quoi mais... Oh, j'ai pas envie de drainer du béton. Hein. T'es les mecs ils m'emboucanent et tout, tu sais. Genre draine du béton mec, tu vas voir c'est bien. Ah, mais je suis invisible là, soi-disant je suis invisible là. Ok, alors t'arrêtes. T'es tout seul mec, y a plus de formation là. Vous m'aidez à garder la forme. Dernier panneau. Une larme. Confrontation finale. Oh putain j'ai pas eu. Attendez, j'ai envie de prendre le néon. Pour faire ça. Au moins. Je le fais en 2-2. Bon,
véhicule bleu. Oups. Pardon mec. C'est lui non? Ouais. D'un espion. Couverture grillée, ma gueule. Ok. Allez, on va vite taguer. Ah, c'est pas le, c'était pas le dernier tag. Hein. Il en reste deux encore. Il reste celui-ci. Bon. Hey, le héros. Je vous demande pas. Ouais, 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 reste tranquille, mec. Tu casses la tête, ok. Alors, plus que deux tags. Comme ça, c'est pareil, je lui dis, sur le côté de la répétition, les tags, c'est rigolo, mais bon. Excusez-moi. J'ai dû muter, j'ai éternué. Donc cette vidéo risque d'être assez longue. Oh, pas comme le... comme les autres à peu près je pense. Et il a l'air pas mal du tout par contre. Par contre là les tags sont super beaux hein. Je remets pas en question les tags et tout mais. Mon vrai super pouvoir. Il est magnifique. C'est super bien trouvé quoi. Après je trouve. Oh putain le truc de la caméra. J'espère qu'il va pas me casser la tête lui. Évidemment, je vois pas du tout où l'endroit. Et où est cet endroit? Ah. Comment ça va? Ouais, mets leur la pression. Yep, Big Brother. Ok, ok. Laissez-moi faire mes tags. Cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Oh ouais, on va voir en direct si ça nous débloque quelque chose ou rien du tout. Moi j'aimerais bien que si j'ai fini le jeu à 100% qu'il n'y ait pas du New Game Plus parce que ça serait cheaté mais genre... j'aimerais bien recommencer avec le pouvoir des méchants. Mais en ayant quelque chose quoi qui je sais pas comment on appelle ça. Ça va les faire réagir. Carrément. Voilà. T'es jamais demandé jusqu'où tes pouvoirs pouvaient aller? Augustine, si. Elle n'aime pas du tout se dire que tu pourrais entrer un jour à Curden Cay. Nous avons un tas de porteurs différents là-bas. Pas seulement ceux que tu as vus à Seattle. Verre, câble, papier. Putain, ça fait une liste vraiment étrange. Imagine.
Imagine ce qui pourrait se passer si tu pénétrais à Curban Cay. Imagine si tu récupérais tous ces pouvoirs, ce que tu deviendrais. Même moi, ça me fait peur. Alors, ça va te terroriser, Augustine. Pourquoi pas terminer sur une mort? Ben oui. Bien évidemment. C'est ce que je souhaitais, en fait. C'est ça, voilà. Je voulais mourir comme une merde. Voilà, quoi. Donc, bravo. Félicitations. Non, même pas. Rien du tout. On peut même pas supprimer ces trucs. Je sais pas pourquoi il m'a mis non sur les sous-titres. Donc 100%, voilà. Infamous terminé à 100% du côté de gentil. Donc comme ça vous l'aurez vu, j'ai rien gagné. Il y a même pas eu un truc, même pas, ouais, j'ai eu un grand nettoyage. En trophée, j'aurais pensé avoir un trophée en or ou quoi, même pas. Donc voilà les oiseaux, eh bien, écoutez, moi j'espère que ce let's play vous aura plu. On a tout fini dans la foulée, en bonus j'ai fini aussi les missions annexes. Comme ça on n'en parle plus et moi je vous retrouverai en live pour le faire du côté méchant. Donc maintenant je vais m'attaquer à Metal Gear Solid Ground Zero. J'en avais parlé dans des vidéos précédentes. Dans des précédentes vidéos. Excusez-moi, je bafouille, je bégaye, n'importe quoi. Bon, vas-y, je vais arrêter la vidéo là, sinon je vais tout niquer. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci encore d'avoir suivi cette intégrale. N'hésitez pas à me follow sur Twitter et Facebook si vous voulez plus d'informations sur le contenu de la chaîne, ce qui va sortir, etc. etc. Donc je vous laisse un petit peu fouiller. Normalement, tout est dans la description. Vous n'avez pas besoin d'aller faire grand chose ou genre, ah putain, comment je fais pour trouver son truc, son Twitter aussi. Tout est dans la description, les oiseaux, n'hésitez pas. Et si vous avez des commentaires ou je sais pas moi, des propositions de jeux ou quoi, laissez-les en commentaire. Moi, j'essaierai de voir si les jeux me plaisent. Pourquoi pas d'essayer de faire des let's play dessus et tout. Ah, il y avait cette mission aussi. Faudrait que je la voie. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo bonus pour montrer cette mission. Peut-être c'est un nouveau pouvoir, je sais pas du tout. Donc ça marchait pas en début de soirée, je sais pas si ça marche encore. De toute façon là il est 6h du mat, je vais faire les rendus, les dodo direct. Donc passez une bonne journée, je vous dis à bientôt. Allez, peace.